les Vanini. Ici Mouton Mouton, le seul et unique fédérito national du Cameroun. Nan Sokoto Mbrakata dans le fiam de... Quand vous me voyez bien passer quelque part sur les réseaux sociaux, la grosse tête là, la grosse aussi. Apprêtez vos côtes, ça va bon frac. Les lions indomptables du Cameroun, en anglais, Zambé 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 Lions. Le Cameroun est bilingue, calme-toi petit frère, maf, pour le camp. Quel joli parcours jusqu'ici, légèrement critiquable, zo, j'applique. Entre le talent, la chance et l'efficacité, ils sont légèrement au milieu. Petit frère, ne me demandez pas de quel côté incliner la balance, moi-même je ne connais pas. Ouais, Jossam aussi, ça manque pour Jossam. C'est au huitième de finale que tout le monde saura si les lions ont décidé de mettre nos organes en hypothèque. Pour le moment, les gars sont qualifiés pour le 8ème de finale. Petit frère, marquez les buts et les mains, mettez ça mal en banzi. Tant que c'est ancré derrière les goals, nous sommes contents. Ah, ça, petit frère, ne faites pas beau, que vous faites toujours comme ça. Tout le pays met l'espoir sur vous. Après, vous goûtez en 8ème de finale, déposez nos organes en vente aux enchères. Ce n'est pas mon souhait, mais chacun connaît son pays et ses habitants. Djamba connaît les Ivoiriens, Samuel et toi, tu connais comment nous, chou et l'impôt se comportent. Surtout que l'on gambé vous a dit vos bingi d'eau qui vous avez promis. No money, no work. Ça veut dire que personne n'entre personne. Non mais les fans, sérieusement, quand c'est bon, c'est bon. Moi, j'aimerais te féliciter honorablement et de façon personnelle. Et c'est Mouton Mouton. Les lions, mes félicitations, bravo. Nous sommes en 8ème de finale. Au moins, vous nous faites oublier un peu toutes les grosses sommes colossales qu'on entend partout pour la construction des stades en Aoué que moi, je ne comprends rien dans un cintou du Makassar. Il faut que je profite même de cette occasion pour passer un message subtil à notre patriarche du pays. Bah, Bobo, le temps où tu sais que tu es le grand-père, l'alpha des oméga. Il faut déjà que tu commences à voir comment tu vas taper des équations à la fin de la cantine. Tu centres 18, 20, 25 personnes en prison. Tout va dépendre de notre victoire ou pas. On rapporte la cantine 25 personnes. On ne rapporte pas, mon frère, on voit tout le monde dedans. Mais les voilà, il y a quelque chose qui est en train de me jam le cerveau depuis le déroulement de la cantine dans notre beau pays qu'on appelle le Cameroun, mon frère. Eh, les femmes sont hypocrites. Eh! Et dit que je wanda que je suis en train de me balader partout sur les réseaux sociaux, mon frère. Je tombe seulement sur les cancans postes d'un gars. Aboubaka Chou, Abou Chou, Abou Bichou, Aboubaka Vincent Chou, Choubidou Bichou. Hey! Maman, c'est dépassé. L'hypocrisie de la femme. Et y a seulement les mignons garçons. Que tu es Joe Jojo, que tu es chocolaté noir cramé. Michael Power, c'est qui? Hey! Les Camerounaises. Je suis tombé sur un post sur Facebook où Lady Ponce invite sa petite sœur Mani Bella qu'il faudrait qu'elle voie comment est-ce qu'elle va inviter Aboubaka Chou et Toko et Kambi Chou à planer Ponce pour un bon massage au concassé de cailloux romantiques. Ça c'est à la partouze qu'on est encore organisé comme ça à Mondovision. Si vous êtes sage, n'invitez pas Clinton dans vos cheveux, c'est que ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous dis que si vous invitez Clinton, la vidéo va fuiter. La vidéo va fuiter, le gars là aime trop rester sur Snapchat. Il aime trop, surtout quand il est sous. Il aime trop Snapchat. Ne l'invitez pas. Il vous a prévenu. Non, mais sinon, Mani Bella communique très bien sur cette canne totale énergie 2021. Mon bébé, viens prendre ton bisou, prends. Ce n'est pas l'histoire des Wolowos qu'on a logé à l'hôtel là. Avec les ventres de Moussingari, les pieds de Kimbo et les coiffures de Chitas, là, heureusement qu'on les avait rapatriés. Ça a vraiment été bref. On est parti payer les Ndjouksa là-bas, mais pour qu'elles viennent rendre notre canne sucrée, ils sont venus verser le jang sans le piment partout, c'est ça. Alors qu'on a des jeunes ici au Cameroun qui se battent jour et nuit pour rendre cette canne encore sucrée de façon bénévole. Du job pour rien, pour le patriotisme, pour le pays, pour le vert, rouge et jaune. Hein? Vous ne voyez pas l'équipe de Tara Plus qui est déployée partout sur l'étendue du territoire national. Ça vous plaît pas? Vous ne voyez pas les directs sucrés, c'est pas bon. Comment? Alors revenons à notre sujet. Il est partout sur les réseaux sociaux, Abouba qui choue, mignon garçon, élégant, lèvres pulpeuses de mon frère. Et quand tu essayes même de visiter le comté des Gaulas, ce sont les belles filles, hein? Noires chocolatées. Le genre de chocolaté frais, la métissée, avec les rebombants sur le corps, que tu y as seulement que la poitrine rebombe un peu. Hey! Tu entends seulement que oh! Une beauté sanglante, une noisseur obscurantée, accompagnée d'un attachement d'un bindi délestage facial, aromatisé au chocolaté noir suissé. Il y a une autre go qui est go right sur son compte Facebook. Aboubaka Chou, mon rêve c'est d'embrasser tes bindi lèvres moelleux, roses et pulpeuses, aromatisées d'un gingembre dangereux de fruits de vin et morin. Il a dit que j'ai déjà téléchargé au moins 24 photos d'Aboubaka. Je suis en train de scroller ça depuis là mon téléphone et cafouille les lèvres roses pulpeuses. Je ne suis pas moins en train de nier. Il a dit que non, si tu n'as pas peur de la femme, non, c'est que tu n'as pas peur du serpent.
Oh, Aboubacar, tu es le plus mignon footballeur de l'équipe nationale du Cameroun. Hein? Même Thibaut Moti n'était dépassé. Aboubacar Vincent n'a pas fait le jam sang. Il n'a pas fait le jam sang. Tout ça là, c'est 5 buts. Parce que tu vois, il y a encore l'espoir pour toi. Parce que marque tes 5 buts. Tu vas voir comment ton histoire va changer au Cameroun. Marque tes 5 buts, jeune milliardaire chinois. Marque tes 5 buts. Et ça, c'est si on te laisse même jouer. Oyongo pide le pardon, passe ta route, ça ne te concerne pas. Porte ton bafle, tu pars dans le concert. Regarde, tu peux monter, lui même dépasser. Et le voir comment il est au stade, il met les mains sur les hanches, il est fatigué. Il secoue la tête que père, moi, mais je suis dépassé. Que ben, t'as quelqu'un resté, lui, qu'en Occident, il jouait, lui, ça coupe au route tranquillement, hein, mon frère. En que temps, il va tourner comme ça, il va dire qu'il y a quelqu'un qui a encore des aventures, ben, tu peux monter. Il dit ça, tu peux que, mon frère, moi, mais je suis dépassé. Car Aboubacar Vincent est mignon, puisque l'autre go just qu'il a les lèvres, puis si on les cherche, ça ne peut rien pas. Et là, on a dit ton Dieu que petit frère bouge, coup tu es là-bas, tu es nain, tu es là-bas, tu es pas beau, laisse-moi ton tongue brun là. D'ailleurs, ton banc, c'est là-bas, cool, non, non, il y a ça, car en galère, tant que. Tout le monde a vu, oui, bon, c'est vrai que moi-même, mon banc, c'est cool. Mais est-ce que c'est même la taille qui fait le travail, même les fans? C'est pas la taille qui fait le work? Bon, de toutes les façons, ne parle pas de moi. Moi, je ne suis pas l'équipe nationale, on parle de vous. Basoko, il est temps que tu commences à voir comment tu vas remarquer les buts si tu veux devenir beau. Parce que marquer les buts au Cameroun peut te rendre très mignon, petit frère. Parce que si on te laisse en constat. Clinton, le coup va qu'on t'a oublié. Perdez un match, toi tu vas voir dans ces Camerounais. On va te ressortir les vidéos là comme ça, les screenshots. Tu vas voir dans quel père, tout se garde. Vous avez vu comment Aboubacar est quitté d'un spot à un autre sans se déplacer, non? On appelle ça la métaphysique. Un gars qui est quitté d'une laideur obscure à une beauté lumineuse sans transition. Il n'y a qu'au Cameroun que ce genre de miracle-là peut s'opérer. Chers lions indomptables, en anglais, un double demon lions. Tout ce qu'on vous demande, c'est de gagner les matchs. Si possible, vous prenez la coupe là. Si vous gagnez la coupe là, vous allez voir que grâce à votre victoire, les miracles vont s'opérer de partout dans le pays. Vous allez voir que la guerre dans le nord va cesser. Vous allez voir que les conflits au nord vont s'arrêter. Popol va saluer, serrer comme ton main dans la main, ils vont voir comment est-ce qu'ils peuvent gérer le condo en cours. Prisonniers politiques vont tous se libérer, même ceux qu'on a condamnés, c'est le modèle. Petit peu, vous allez voir que la caméra va acheter les nouveaux gros Boeing. Vous allez voir que les hélicoptères vont commencer à voler partout quand les maisons vont se brûler. C'est l'hélicoptère qui va éteindre le feu. Petit peu, vous allez voir que la pension sera gratuite, on va pas payer l'école. Vous allez voir que les sommes dans les hôpitaux vont devenir condo en cours gratuitement. Ça, c'est si je ne suis pas en train de rêver en ce moment. Bisous, mes bébés. Quand c'est trop sucré.